On recommence évidemment. Attendez, je vais personnaliser. Ah bah attendez, regardez, pouf, voilà. Les besoins des citoyens, rien à foutre, l'économie, à fond. Non, c'est... Non, évidemment. Ah oui, mais on est en... La difficulté de base vous permet de faire face à quelques défis et disposerez d'une marge d'erreur. Alors attendez, ils nous disent quoi? Le jeu sera moins difficile, vous disposez d'une grande marge d'erreur et devrez faire face à moins de défis. Non, on va rester en moyen. On va rester en moyen quand même. Mode survivant. Bah oui, faisons toujours plus. Bon bah let's go, hein, on redébute. Hein. On redébute. Oui, on sait. Deuxième tentative. Alors, je vous explique en fait ce qui s'est passé. Je vous explique ce qui s'est passé. Il y a eu, justement... Oui, affronter le froid, très bien. Il y a eu... On m'a banni. On m'a banni. Donc, je suis parti. Je suis allé très très loin. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... C'est que j'ai redécouvert une nouvelle colonie. Je suis arrivé, je leur ai dit ce qui s'était passé, puis petit à petit, j'ai commencé à m'y intégrer. Et bon, voilà, il n'y avait que ça. Ils dormaient tous dehors, hein, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Enfin, c'était vraiment le début d'une colonie. Et on a trouvé un nouveau générateur, et let's go, on est reparti. Donc en fait, je retente avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, attendez. Abibinch. Est-ce que y a quelqu'un qui... On a tout ça. J'ai envie de renommer tout le monde, mais ça va prendre un temps fou, quoi. Ça va prendre un temps fou si je commence à renommer tout le monde. Bon. Maintenant, je sais construire des routes, effectivement. C'est pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. Donc, pour le moment, bah écoutez, on va faire ce que n'importe qui devrait faire, c'est-à-dire construire... Ouais, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pas trop vite, gamin. On va construire. Nous n'avons plus de bois. Donc ça, c'est très bien. Plus de bois pour commencer. Donc, boum. Le max de gens ici. Puis, il nous faut du charbon, évidemment. Le max ici. On a un petit peu d'acier, mais on va mettre quand même le max ici. Voilà, très bien. Et tout, 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 tout. Ah bah tiens, il y a des caisses en bois ici aussi. Il y a déjà des gens dessus. C'est moi qui ai mis les gens ? Et là, il y a des caisses en bois aussi. Bah, allez me chercher des caisses en bois, en fait. Voilà. Et pas de malade pour le moment. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut créer pour le moment? On peut pas encore créer ça. Ouais, donc on peut rien créer pour le moment. Ok, bon. On va démarrer comme ça. Let's go. C'est une joyeuse colonie de vacances. Merci, maman. Merci, papa. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. You can eat. Il y a des gens qui foutent rien, par contre. Là, boum. Merde, c'est des enfants. Non, c'est des ingénieurs, pardon. C'est les ingénieurs qui foutaient rien. Bah yes. Ok, donc là, boum, c'est type art. On allume le... Voilà, ça chauffe. Ok, on va pouvoir créer la suite de nos maisons. Non, on a dit les maisons, les maisons, les maisons, les maisons. Il y en a combien? Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça, c'est le truc de ressources. Il nous en faudrait... 8. 7, 8. Je crois que là, on a tout le monde. Je crois qu'on a tout le monde. Ok. Et qu'est-ce que tu nous racontes? Besoin d'ouvriers. Nous avons beaucoup de travail et pas assez de bras pour accomplir une solution rapide qu'on cite à mettre nos enfants à la contribution. Mais pas maintenant! Écoutez, tout va bien pour le moment. Les enfants n'ont pas besoin de travailler pour le moment. Voyons, voyons! Quelle idée de faire bosser des enfants! Voyons, quel monstre ferait ça? Sérieux? Complètement con, cela. Ok. Ah merde, il me manque du coup 10 personnes. J'ai mal calculé, du coup. Bon, ça fait une maison supplémentaire, voilà. Là, dans les tentes, ça devrait aller, du coup. Il devrait avoir assez chaud. Et il y a une personne malade. Ok, donc il nous faut un centre de swing que je ne peux pas faire parce qu'il me manque du bois. Nourriture, je ne peux rien créer parce qu'il me faut du bois. Et je ne peux pas faire de cantine parce qu'il me faut du bois. Bah yes, heureusement que là, il y a du bois. Non, ça, oui, ça, c'est des caisses en bois. Voilà, donc bah ça attendra demain, voilà. On va attendre demain parce que bah, les gens ne travaillent pas la nuit, hein, évidemment. Livre de loi, d'ailleurs, on va peut-être... peut-être commencer, hein, attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rotation d'urgence, travail des enfants, cimetière...
On va peut-être, signer ça. Hein. Comme ça, on va aller faire bosser un petit peu plus. Est-ce qu'on peut mettre du coup de la rotation? Ah voilà, on peut mettre de la rotation sur ça. C'est très bien. Le mécontentement, mais j'en ai rien à foutre de votre mécontentement. Allez bosser. Oh, c'est pas vrai ça. Voilà, le bois, tac, on va construire notre centre de swing. Santé. Le centre de soins. Eh ben écoutez, regardez, là c'est parfait. On a nos maisons, notre centre de soins, et puis il va falloir qu'on fasse déjà le deuxième tour. On va aller. Pourquoi je peux pas le faire? Ah si, d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi là je pouvais pas continuer? Attends. Pourquoi? Pourquoi je peux pas continuer ce chemin? C'est bizarre ça. Bon, en tout cas, ils vont bosser. Faut aller récolter, hein. Vite. Je suis allé me faire un thé. Je reviens, voilà une deuxième crêpe. Oui! Il y a eu peut-être des petits échecs de mon côté. Ah merde, j'ai mis personne là-dedans. Ah, c'est en construction ça. Tout va bien, on va essayer de gérer les malades. À court. Ah putain, ils ont déjà bouffé tout l'acier du coin. Allez, boum, caisse en bois, il nous faut du bois. Ok. Là, alors, j'avais mis des ingénieurs ici. Donc on va mettre des ingénieurs ici. Voilà. Qui vont s'occuper des malades. On va peut-être maintenant les faire bouffer. Nourriture, cantine. Et juste à côté, on va faire directement le poste de la cabane de chasseurs. Parce que c'est vrai que j'ai pas géré ça la dernière fois. Et du coup, on s'est retrouvé dans la merde. Ok. Donc, ici, on peut mettre n'importe qui. Donc, on va en mettre 5. 5 ouvriers ici, très bien. Et ici, il faut qu'on mette le maximum, en fait. 15 chasseurs, évidemment. Let's go. Bon, déjà, c'est un meilleur départ. C'est un meilleur départ, les 80 personnes, là, tout le monde est en bonne santé, tout ça, c'est parfait. Et prochaine étape, ça va être tout de suite de faire... alors, c'était ça, l'atelier de technologie. Et regardez, le mécontentement, là, est parfait. Et là, ils bossent de nuit. Ah non, ça, c'est les chasseurs, d'accord. À chaque fois, je me demande c'est qui part comme ça en pleine nuit. Je me demandais vraiment. Hop, donc ici, merde, attendez. Ici, on avait que des ingénieurs, il m'en faut donc 5. De toute manière, c'était quoi? C'était l'acier, on en a un petit peu quand même. Par contre, il faut absolument... Alors, il faut qu'on les mette ici, le max, voilà. Et on va commencer direct par faire... qu'est-ce qui peut être bien pour commencer? Déjà, c'est un meilleur départ, maintenant qu'on sait un petit peu quoi faire. Alors la balise, il faudra qu'on la fasse, oui. Collecte accélérée peut-être. Ça me paraît pas mal de collecter plus vite. Bon, on va commencer je pense par essayer de faire de la collecte. Ou alors les chasseurs. On va commencer par pour la nourriture. On va essayer de déjà gérer la nourriture. Il nous reste 11 de bois. Ici il y a 15 personnes. Est-ce que je vois où les gens bossent? Là on en a 5. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pénurie de ressources. Putain, on a plus de charbon. Ouvrir le livre des lois. Rotation étendue. Construire une ville dans cet enfer de gel demande des sacrifices. Les habitants accompliront davantage. Ah oui, c'est vrai, on devait les faire bosser plus. Et je crois que j'avais pas signé ça. C'est pas grave, vous allez bosser 14 heures par jour. Alors, en même temps, j'ai envie de me dire 14 heures par jour quand t'es dans la merde, je pense que c'est ok, quoi. T'essaies de survivre, donc ça me paraît normal d'essayer de... d'essayer de survivre, tout simplement. Ok, oula, qu'est-ce qui se passe là? Une famille déchirée, nous allons faire notre possible. Oui, très bien. Le possible, évidemment.
Ça, c'est à 80. Ouais, c'est en train d'augmenter, c'est en train d'augmenter. On a la cantine qui donne à manger, très bien. Donc les gens ne meurent pas trop de faim. Pourtant, ils sont affamés. Bah, vous avez qu'à manger, il y a de la nourriture! Ok, de ce côté, ça va, très bien. Pourquoi ils meurent de faim? Ils sont affamés, il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture en masse. Ok, équipement de chasse, c'est bon. Donc on aura un peu plus de nourriture. On va faire collecte accélérée pour mieux démarrer. Je l'ai pas mis? Ah, je l'ai pas débuté, pardon, pardon. Bosser, ça réchauffe. En plus, oui. Tant que vous êtes actif, vous êtes vivant, évidemment. Ok. En termes de chaleur, on est où là? Pour le moment, c'est... comment ça, eux, ils ont froid? La réserve. Eh oh, eh oh. Et pourquoi il y a personne ici? Non, là. Ils sont 5. Fermés à 7h de la journée. Bah non, fait un roulement, les gens. Eh oh, oh, oh. La rotation d'urgence, les gens ont faim. Les gens ont faim. Faites-les manger, merde. Le mécontentement diminue, très bien. L'espoir aussi, super. Un décès parmi nos habitants, et merde, qu'est-ce qui s'est passé? Faut instaurer la pause goûter. Bah ouais, j'avoue, pourquoi ils ont pas mis la pause goûter? Ils se sont dit, ah bah c'est bon, on a bossé 14 heures par jour, nanana. Alors apparemment, il y a un léger souci dans l'IA. Des fois, les gens, ils crèvent la dalle, mais ils ont pas fini leurs heures de boulot, donc ils sont coincés, ils peuvent pas manger, quoi. Hein? Après, c'est... oui. Après, c'est pas... c'est normal. C'est... ils mangent quand ils reviennent en ville. Oui. Bon, alors, tout à l'heure, on avait fait les traitements de cadavres, mais vu qu'on a déjà fait le roulement, cette fois, je vais faire le cimetière. Temps à attendre pour signer une nouvelle loi. Je peux pas la signer maintenant? Ah oui? Ah oui, d'accord, je peux pas encore. Il faut que j'attende encore un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mort par surmenage. Ah! Cessez les rotations d'urgence pour aujourd'hui. Pardon. Pardon. Excusez-moi, c'est ma faute. Il est mort par surmenage. Le con. Le con. Allez, on va signer pour le cimetière. Bon, il faut qu'on fasse le cimetière du coup. Je pense que le cimetière, on peut le faire... C'est où le cimetière? C'est là. Ouais, on peut le faire proche. On peut le faire proche, il est à côté de la cantine. Les gens vont manger, ils vont honorer leur mort. Et voilà, ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ok, quoi. 4, 5... Pourquoi là ils disent impossible de reprendre la production nécessite vivre cru? Mais quoi? Mais il y a des rations, je comprends pas. Il y a des rations, vous les utilisez pas les rations? Ah si. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Putain là, et voilà, le froid arrive. Le froid doucement. Nous pouvons maintenant y enterrer nos morts. Et tous nos espoirs, évidemment. Siji. Personne. Déjà, comme on fait des rotations d'urgence, le fait qu'ils peuvent honorer leurs morts, bah c'est pas mal, quoi. Ah d'ailleurs, oui, bah c'est un des... oui, c'est un des gars qui bossait là-bas qui est mort, oui, effectivement, effectivement. Effectivement. Ce serait cool que eux, vous par contre, vous finissiez rapidement vos trucs. Hein. Je tiens à vous dire que ce serait sympathique, sympatoche. Max. C'est quoi? Max. Allez me chercher du charbon. Recherche collecte terminée. Très bien. Et du coup maintenant, on va faire tout de suite l'extracteur hydraulique. Puisque du coup, je veux tester, voir si c'est ça qu'il faut. Pour le charbon ici. Et après normalement, comme on extraira plus rapidement, et bah je me dis qu'on pourra augmenter la chaleur, tout ça. C'est un meilleur départ, hein, je trouve, hein. Je tiens à vous dire que voilà, c'est un peu mieux géré, quoi. Le générateur fait un bruit
rassurant, il fournit la chaleur. Oui, bien sûr. Membre d'autres convois, nous pourrons essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu suivre. Oui, il faudra faire la balise. Hein. Écoutez, j'essaie de gérer quand même déjà la ville. On a des chasseurs, on a des rations, on a du métal, tout ça. Ouais. Excusez-moi d'essayer de gérer la ville, quoi. Par contre, ouais, ça diminue quand même fortement. Pour le moment, ça va. Ça a l'air d'aller. Les gens font leur vie. Par contre, putain, la nourriture, mais ça baisse si vite, la nourriture. Je vais devoir baisser d'un ingénieur. Hein. Je vais rester à 3, en fait. Rester à 3, et puis... Voilà, de toute manière, j'ai le max. Max. Il y a un malade. Yes. Ah putain, mais il y a 5 personnes qui foutent rien. Pourquoi il est malade? Pourquoi t'es malade, toi? Tu peux pas être malade. Eh merde, il y a des malades. Quelle idée de tomber malade. Quelle idée de tomber malade. Yes, l'extracteur hydraulique. Maintenant, on s'occupe de la chaleur. On va mettre les radiateurs parce que je crois qu'ils sont sur le deuxième cercle de l'enfer. Ils sont pas sur le deuxième cercle de l'enfer. Merde. Ouais. Je pensais qu'il allait faire plus chaud, mais en fait il fait moins 40, donc forcément tout le monde crève de froid. Putain, le générateur, il a du mal, hein. Il a vraiment du mal, hein. Bon. On s'occupe de ça. Ah oui, du coup, merde. Il faut que je teste. Parce qu'on a fait notre truc, mais bon, si je teste pas, ça va jamais marcher. Tout. Donc dans les constructions, on a ressources. En pompant de l'eau sous pression, dans les gisements de charbon, l'extracteur hydraulique fait remonter la précieuse ressource sous forme de tas, extrayant ainsi jusqu'à 560 de charbon par journée de travail régulière, soit de quoi occuper 2 postes de collecte. Donc ça, bah oui, on nous dit de le faire ici. Je sais pas si c'est ça, hein. Construire un bloc rap, un bâtiment important, pas adjacent à la rue. En vrai, je sais pas si c'est ça, hein. Je sais pas du tout. Parce qu'eux, ils disent une mine. Mais j'ai pas vu la mine, hein, dans les recherches de ces morts. Charbonnage, peut-être. C'est peut-être en dessous, mais... Mais du coup, ça doit quand même être utile, oui, de faire ça, j'espère. Peut-être un problème de traduction. Ouais, peut-être, je sais pas. Quoi, je peux pas construire. Ah, merde. C'était pour construire, ouais, un chemin. Ah putain, il y a les caisses à la con. Bon. C'est pas grave, on fait des chemins dans tous les sens. Yes! Et Angelure Benim, un citoyen, est tombé gravement malade. Merde! Nous devons agir. C'est quoi? Traitement radical. Les maladies graves seront traitées dans les postes médicaux. L'espoir augmentera. Moins 30% des malades graves traités dans les postes médicaux deviendront amputés. Ou maintenir en vie. Mais maintenir en vie, ça veut dire qu'ils font plus rien. Bah ouais, il reste un fardeau. On n'a pas besoin de fardeau. On va devoir, je sais pas, on va... Ouais, bah yes, let's go. Vous serez amputés, merde. C'est comme ça, c'est tout. Putain, j'ai presque plus de nourriture. Hein. Je pense qu'il va falloir que je rajoute des... Alors, je pense que si mon plan est parfait par rapport à ça... Ok, les radiateurs.
les radiateurs. Si mon plan est parfait pour ça, je pourrais envoyer plus de chasseurs. Hop là. Merde, je me suis trompé, je voulais faire ça. Non, annulé. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Poste médical, je mets du chauffage. Bah ouais, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis trompé. Je m'ai trompé. Ok. Bon, faudra mettre une source de chaleur ici aussi, parce que sinon ils vont souffrir. Ici, on va diminuer à 5. Et on va mettre eux ici. Donc oui, c'est normal que ce soit fermé à 7h de la journée. Et ce qui fait que quand eux, ils auront fini, et eux, ou eux, bah je sais pas, je pense que eux vont peut-être finir avant du coup. Ouais, ils vont finir avant. Bah eux, on va faire un deuxième truc de chasseur parce que la nourriture, quoi. Putain, c'est terrible cette histoire. Ah merde, il y avait une nouvelle recherche. Les foyers de vapeur. Je débute ça. J'ai toujours pas fait la balise. Hein. La balise, j'en ai rien à battre pour le moment. Le but, c'est déjà de... Oh là là, il n'y a plus rien. Et il y a 14 malades. Le mécontentement, par contre, est vachement tombé. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner, mon idée, là. Merde, la recherche, pourquoi c'est pas faite? J'ai pas lancé, je suis un connard. Ou alors j'ai fini. Ah bah j'ai fini, c'est bon. Alors on fait la balise. C'est bon. Et maintenant, je peux chauffer... Est-ce que je peux chauffer les... Attendez, c'est peut-être une nouvelle construction. Foyer de chaleur. Ah, c'est pas mal, d'accord. C'est pour chauffer en plus. Alors, où il y a vraiment besoin de chauffer? Alors là, ça va. Bon, on va chauffer de l'autre côté, du coup. Ah ouais, ok. D'accord, donc genre, si je peux le créer là, ça permet de diffuser un peu plus la chaleur. Eh bah, créons ça là! Oh, la nourriture s'est remontée d'un coup. Voilà! Là, ils sont contents! Ça bouffe combien, ça? Peut-être pas 24 heures, en fait. Non, on va mettre ça. De... Non. Non. Mais non, pas... Mais non, mais ça... Journée de travail de 14h, de 6h à 20h. Mais non, pas en journée! Mais pas en journée, ça n'a... Parce que les gens, ils sont pas là en journée. Ah ouais, d'accord, c'est pour... je viens de comprendre, en fait, c'était pas dans le village qu'il fallait le construire. C'était pas du tout dans le village, c'était là où ils partaient loin. Mais oui, quel con. Bah tant pis, c'est pour chauffer les... Pour chauffer les gens. Bon, on va le mettre de 6h à 20h, voilà, ils sont contents. Allez, maintenant, créons la balise. Et du coup, on a déjà fait beaucoup plus de recherches qu'avant. La Syrie. Alors j'ai pas de grosses forêts exploitables, donc les arbres gelés. Ah oui, mais c'est pour les arbres gelés, d'accord. Et effectivement, là on a des arbres gelés, donc ça peut être utile pour ça. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est ça? Davantage de lits malades nécessaires. Bon, je vais ouvrir un poste, très bien. Et ici, vous avez demandé quoi? Première amputation. Nous devons agir. On va devoir faire une maison de soins. Cette fois, je fais une maison de soins. J'essaye de gérer différemment. Voir si c'est mieux. J'essaye de voir si en étant moins un connard... Merde, j'ai pas assez de bois. Eh bien, bravo.
Eh bien, bravo, va falloir me chercher tout ça, là, tout de suite. Et une nouvelle recherche. Bah écoutez, si je fais les planches à dessin, d'une manière, je vais débloquer... bah oui, mais il me faut du bois, évidemment, connard, il me faut du bois. Bon, bah la scierie, hein, la scierie, on va en avoir besoin. L'espoir renaît, l'espoir renaît. On est beaucoup mieux parti qu'avant, regardez-moi ça. Les gens sont bien, sauf là. Et ici, d'ailleurs, j'avais mis le chauffage, hein. Là, ils abusent, hein. La sagesse, capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Oui, je sais, je m'en souviendrai de manière, les gens sont jamais contents. Par contre, là, la nourriture, ça commence à être chaud. Commence à être un petit peu chaud, la nourriture. Oh là, ça diminue à une vitesse, les rations. J'avais dit quoi? Fallait que j'aie plus de chasseurs. Du coup, puisque ça, ça rapporte beaucoup plus... Ça, c'est bientôt terminé, de toute manière. Faut que je fasse... Ah ouais, mais il y a tellement de choses à faire, mais au secours. Truc de dingue. J'aimerais bien avoir du bois, s'il vous plaît. Du bois, ce serait fort appréciable, s'il vous plaît. Ouais, j'ai du bois, c'est bon. Poste médical... Et merde, je me trompe. Et je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Patient angoissé. Non, cette fois on lui coupe sa jambe. Coupez-lui la jambe. Oula. Recherche terminée. Siri. Ah, ça va, ça va assez vite. Et à Siri, ça c'est pour... Extrait du fer dans des gisements profonds, les transforme de façon à produire 40 d'acier par jour. Et du coup, on a des gisements d'acier dans le coin. Ça, c'est les caisses en bois, pile de charbon, dépôt de charbon, débris d'acier. Je suis pas sûr qu'on en ait. Si, là. Ça, c'est... Ah, c'est du minerai de fer. Ouais, ouais, ça serait pour ça. Après, le fer, pour le moment, est pas forcément très très utile, donc on va essayer d'aller voir... On va essayer d'aller voir ici quand on aura assez de bois. Ça peut être pas mal d'avoir du bois. Et il fallait faire la maison de soins pour les gens qui sont... Voilà. Hey, construisez tout! Il faut qu'on aille créer la scierie. Hop, est-ce qu'on a des ingénieurs? Putain, je crois que j'avais des ingénieurs ici. Ah mais si je commence à mettre du chauffage partout, ça va me coûter trop cher. Attendez, faut que je regarde. Là, par exemple, je peux le couper. Hop là. Ça, je peux couper. Lui, en vrai... Ah, lui, en vrai, je peux l'activer ou le désactiver. Trop bien. On va le couper pour le moment parce qu'on l'activera s'il faut vraiment un moment l'activer. Là, je suis obligé de le laisser. Là, par contre, je vais peut-être le couper. Voilà. On va laisser comme ça. Je pense que lui, il faut l'activer. Lui, il n'y a pas besoin... d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est la cantine où il fait frais. Quelle idée qu'il fasse frais à la cantine, là. Quelle idée qu'il fasse frais. En fait, ça, j'aurais pas dû le faire ici. J'aurais pas dû le faire ici. Ok. Et du coup, la prochaine création, on a dit que ce serait une scierie. Ok. Donc la scierie, on va la faire genre bien couvrir tout ça. Hop. Et du coup, il nous faut un chemin. Un chemin pour y accéder. Chemin. Quoi? Pourquoi tu veux pas me créer le chemin? J'ai pas assez de bois. Bah, jusqu'ici le chemin pour le moment. Allez construire. On a plus de bois du tout. Et on n'a plus de nourriture. Putain, ça commence à être la merde. Il y a 6 malades gravement.
Mais non, ça allait bien jusque-là, pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Mais... Ah oui, mais je peux pas le lancer, c'est vrai. Ah oui, je peux pas le lancer, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, là! Sachez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu, déjà. C'est le genre de jeu qui me plaît énormément. Là, c'est parti, en fait! Voilà, il y a le chemin. Il y a le chemin, et donc... vous qui étiez là, on va vous mettre à zéro, on va tous vous mettre ici. Boum, voilà. Let's go! Il me faut plus de chasseurs. Hein. Je pense qu'il faut que je crée plus de chasseurs. Ah mais il n'y a pas de chemin ici! Mais merde! J'ai pas fait gaffe! Putain, quel con. Mais quel con, j'avais pas mis... Mais voilà pourquoi ils étaient malades! Et abruti! Oh l'abruti! Besoin urgent de soins. Mais il est déjà ouvert. Bon, bah, je vais pas m'en occuper maintenant. Je viens d'en ouvrir un. Et calmez-vous. Il y en a deux qui sont ouverts. Non, mais les gens, et toujours plus là, toujours plus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais. Mais c'est 50 de bois, c'est super cher. Bon, j'ai plus de nourriture. C'est la merde, c'est le retour de la merde. Il est mort. Suicide d'un amputé, mais... J'ai fait une maison de soins pour vous gérer. Je ne peux pas vivre comme ça, estropié et sans but. Je ne veux pas être un fardeau, une autre bouche à nourrir. Je sais même pas comment il s'appelait. Je sais même pas comment il s'appelait. Je sais pas. Bah on va agir. Hein. On va signer la loi des prothèses. C'est où les prothèses? Où sont mes prothèses? Prothèse. Il en avait marre. Tu perds d'office avec ce type. Ouais, j'avoue. Tout le monde désire contribuer à la survie de notre ville. S'il existe un moyen de rendre les amputés de nouveau aptes au travail, nous devrions l'employer. Nouveau plan, prothèse disponible dans l'usine. Les amputés auxquels des prothèses auront été implantées dans les bâtiments médicaux pourront reprendre le travail. Nous ferons quelque chose pour... Les amputés. Ça, vous avez assez chaud ou pas? Ouais, il y a toujours là-bas en fait. Il faudrait que je détruise ici. C'est. Hop. Et on va le faire là-bas. Je pense qu'on va le faire ici, à la place. D'ailleurs, je n'ai toujours pas lancé. J'ai toujours pas lancé mes trucs. Hein. Toujours pas lancé mes recherches. Parce que on veut des choses. Du coup, on a dit c'était voilà foyer de vapeur. On va le faire ici. J'espère que ça sera plus utile que celui-ci. Chers habitants, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir. Ouais. Putain, c'est la merde! Il reste 13 heures. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Ça ne veut pas. Requête d'un enfant. Capitaine, nous avons trouvé dans le cimetière un enfant gelé jusqu'aux os. Il se tenait au pied d'une tombe récente, sans doute depuis plusieurs heures. Il souhaitait que vous convoquiez une réunion d'urgence. Il a ajouté que si vous acceptiez, sa mère s'efforcerait de venir. Il doit faire son deuil. Je peux rien répondre d'autre, c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est quoi ce jeu?
Bah, il va nous falloir du charbon en fait, parce que comment vous dire. Ah mais du coup ça c'est à l'infini alors. Ça c'est cool, ça c'est à l'infini, c'est bien. C'est très très bien ça. Bon, il va nous falloir des... C'est quoi ça? Ah oui, les prothèses, merde. Les prothèses. Mais il faut une usine. Du coup, ouais, pour les usines, il faut que forcément... Bah, je fasse ça parce que... Puissance du générateur, portée du... Ah ouais, bah on va déjà commencer par faire ça pour la chaleur. Amélioration, charbonnage, four à charbon, amélioration. Station de forage. Serre chauffée, amélioration. Dortoir. C'est où? Ça doit être là-dedans, mais ça veut dire que c'est loin, loin, loin. Ouais, ça doit être... Comment je fais pour faire des prothèses? Maintenant, c'est le nouveau truc. Je l'ai dit, c'est les Polonais dépressifs de... Ah oui, non, mais non, tu sais, il n'y a pas besoin de dire dépressif. Hein. Je pense que si t'es Polonais, t'es forcément dépressif hein, dans la vie. Hein. Enfin, les gens de l'Est... Putain, j'ai pas assez pour faire la balise. Ou alors, eux, ils peuvent pas... Vous pouvez pas créer des prothèses, vous? Je sais pas du tout. Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolé, hein, j'essaie de trouver où est-ce qu'on fait les foutues prothèses. Bon, en tout cas, c'est pas déjà dans quelque chose que j'ai. C'est sûr. Donc, dommage que je puisse pas voir à quoi ça correspond. Hein? Parce que c'est, j'arrive pas trop à lire là avec les... Vu que c'est pas ouf ouf ouf. Grande peau, nanana. Ouais, je pense qu'à un moment il y a quelque part, mais je l'ai pas vu. Parce qu'ils m'ont dit que je pouvais le faire dans des usines. Mais quelle usine? Moi je veux bien. Ouais, toujours 12 malades. Hein. Ah d'ailleurs, est-ce que c'est mieux ça? Est-ce que c'est mieux ici? Putain, ils le font exprès ici dans le cimetière. Ah oui, dans le cimetière, non mais c'est... Oui, dans le cimetière, ils sont refroidis, donc tout va bien. Par contre, ça va. Par contre, la réserve aussi, je pense que c'est bon si elle est au frais. Ça va. Oh, aïe, aïe. Ah non mais il faut faire quelque chose. Faire quelque chose là, c'est pas possible, on a plus rien. On a plus rien. Ah du métal on en a hein. Caisse en bois, des bris d'acier. Caisse en bois. Peut-être que j'aille récolter quand même. Parce qu'attendez, mais les gens ils sont où? Ceux qui bossent. Les gens ils sont où? Il y en a 200 emplois, bah écoutez, on va les envoyer là-bas parce que... Vous foutez rien? Ça y est, c'est la merde. Le générateur va s'arrêter. Yes. Yes. Et j'ai déjà coupé partout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 nous n'avons plus de charbon. Ah mais ça aussi je peux le chauffer. Il fait frais. Faible risque de tomber malade, ça va. Très faible risque, écoutez, je suis obligé de... Ah mais j'ai déjà coupé partout. Allez hop là, on coupe ici. J-Pep. Arrêtez de tomber malade. Ah mais j'ai même plus de nourriture, j'ai plus rien. C'est vrai que j'avais dit à un moment il faudrait que j'ai des chasseurs. Il doit faire bien frais là-bas en fait. Ça va, il fait frais. Ah, c'est la fin.
c'est la fin. Tout le monde va tomber malade. Est-ce qu'on pourrait pas faire bosser les enfants? Est-ce que ce serait pas le moment de sortir une loi pour faire bosser les enfants? Je pense que c'est le moment. La température chute. Bah oui, bah super, ça tombe au meilleur moment, mais voilà. Et putain de merde. Putain, et au secours. Au secours. Mais je vais pas avoir assez. À quoi ça sert, ça? Ça sert à quoi? T'es censé faire 560 par jour. Moi, on m'a menti, on m'a dit que ça faisait 560 heures de travail. Cliquez pour changer la durée de rotation. J'ai le droit du... Allez, boum, 6h20, on va travailler un petit peu plus. Putain, j'ai même pas assez, j'ai assez pour une heure, là. Une heure. Mais c'est terrible. Et il y a des gens qui crèvent la dalle. Ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel. Bon, on va peut-être faire la balise, hein. Parce que, bon... C'est où la balise? C'est vrai que j'ai même pas fait la balise depuis tout à l'heure. Ça y est, c'est la merde. Je peux pas m'occuper, j'ai plus assez de personnes. Vous avez qu'à pas tomber malade. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai pas bien géré là? Oui, passez-moi ça, je sais. À quel moment tout allait bien et d'un coup... Et d'un coup, c'est parti en cacahuète. Bon, déjà, il y a beaucoup moins de morts que tout à l'heure. C'est un peu mieux géré. Mais quel enfer. Putain, par contre, j'ai pas vu, ça fait... Oh, le temps passe si vite quand on gère ça. Allez, boum, faut qu'on envoie quelqu'un. Hein. Faut qu'on envoie une... Y a des gens qui bossent pas, là? Ouais. C'est inactif. Mais... Pourquoi les postes médicaux sont inactifs? Il fait trop froid? Ah putain, il faut que le niveau de chaleur soit à 1. Mais c'est pour ça que tout le monde tombe malade! Putain de bordel de merde. Tu peux pas... Enfin, je sais pas, on a du bois. On peut pas foutre du bois là-dedans, ça se consomme pas autant. Bon, je suis obligé de... Je sais pas, il faut qu'il y ait des gens qui... Oui. Il faut ramener plus de monde. Plus de monde. Let's go. Oh, il fait moins 40. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ce dont nous avions besoin. Putain, on a besoin de bouffe surtout. Aïe, aïe, aïe. La source de chaleur s'est éteinte. Ça y est, la merde. Et les gens meurent. Bah, vous avez qu'à bosser, là. Urgence. Urgence, boum. Et puis, là aussi, boum, c'est l'urgence. Le mécontentement. Eh ben, oh, putain, le mécontentement qui vient de... Le mécontentement qui vient de passer à 10 millions de pourcents. Ouh, allez, let's go. J'ai quoi? J'ai une heure. Nourrir plus ou moins? Avec moins? Alors, nous pouvons cuisiner de la soupe à la place de repas complet pour nourrir plus de gens avec la même quantité de vivres crus. Nous pouvons désormais ajouter de la sciure. Mais c'est horrible. Tu rajoutes du bois dans ta nourriture? Ça croque un petit peu, vous inquiétez pas. Ça sent le jeu à la Don't Starve, avec un jeu de gestion, le but c'est juste de survivre, à tenir un jour de plus. Oui, oui, je connais très bien Don't Starve, je déteste ce jeu. Voilà, c'est horrible ce jeu. Non, bah on va faire des soupes. Hein. Let's go les soupes.
Vous allez bouffer de la soupe? On sert de la soupe. Ah oui, d'accord, on peut passer de l'un à l'autre, ok. Eh ben, vous allez bouffer de la soupe. Ok, ok, ok. Ah putain. Et ouais, là il faut remonter. Je suis obligé parce que sinon... Quoi? Un homme affecté à une rotation d'urgence refuse de travailler, dit qu'il est épuisé, qu'il ne veut pas terminer comme l'un de ses amis. Bon allez, repose-toi, de manière le mécontentement, plus rien à foutre hein, du mécontentement, voilà. Une heure, oh là là, mais c'est terrible, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus du tout de... Mais bosse là-bas, toi! Faut que je fasse bosser les enfants. J'ai dit qu'il fallait faire bosser les enfants. J'essaie de gérer comme je peux, mais c'est terrible. C'est terrible parce que je n'ai plus rien. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça, je suis plus qu'à 4 de charbon! Comment tu veux que je gère? Ah oh putain, arrêtez de bosser ici, là, bosser là-bas! C'est quoi ça, les chasseurs? Putain, j'en ai 3 qui sont pas dispo en plus. J'ai trop besoin de nourriture, je peux pas me permettre. Ah oh putain, une nouvelle recherche. Puissance du générateur. Cela nous permet d'élever le de 1... niveau. Ah ouais, mais ça demande encore plus, donc la portée. Ah, ça peut être pas mal, ça. Consomme 2 fois plus. Ah, oh, putain. À chaque fois, c'est... Ça a l'air pas mal, ça. Ah bah, les voilà, les mines de charbon. Elles sont là, les mines. C'est donc ça, c'est le charbonnage. Donc ça, en fait, c'est de la merde. Parce que là, ils mettent jusqu'à 560 par jour, mais je les ai jamais vus, les 560, hein. Bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait. J'ai pas le choix, faut que je fasse ça, hein. Je n'ai plus de charbon du tout. Les différents chapitres du mode campagne ont tous un scénario avec une fin, mais concrètement, sur le terrain, il y a de ça. Ah ouais, non, mais... C'est terrible, hein, Alors, on va pas être déprimé, mais on va pas être très très loin. On va pas être très loin de certains. Ouais, mais là ça rapporte plus rien, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que je peux diminuer? Bon, on a que 2 morts, ça va. Ils sont que 2 à bosser ici, hein. Ils sont que 2 à bosser ici. À un moment, je peux pas... Bah ouais, on va diminuer ces gens. Faut que j'aille chercher du putain de charbon. Regardez. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Let's go, rallume-le. Et hop, ça va se rééteindre. Ah, ils sont en attente. Explore. Escorter les survivants. Ils ont quoi? Je sais pas ce qu'ils ont. Yes. Retour en ville. Bon, ça, on le sait. Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop froid. Mais putain! Ça y est, c'est la merde. Bon, il va me falloir plus de chasseurs, plus de récolteurs, plus de... Heures supplémentaires contre nourriture. Nos habitants sont de moins en moins concentrés sur le travail. Peut-être devrions-nous leur donner des rations supplémentaires alors qu'ils se tuent à la tâche. Les rotations d'urgence coûteront désormais de la nourriture, l'espoir augmentera. Oui, il le mérite. Il le mérite. Mais par contre, il faut qu'on arrête. Hein. La rotation d'urgence, je peux pas le faire prolonger. Le temps de cette rotation... Ah oui, d'accord. C'est pendant une courte période, vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Mes blessés de ces morts. À quoi ça sert que je mette le chauffage? Ça change rien. Mais... Allumez tout! Allumez tout! Let's go! Allumez! Ah putain! Mais là, pareil, il y a des ingénieurs ici. Attends, mais il y a pas besoin, il y a personne dedans. Si, bon, il y en a 2, d'accord. Une personne en plus. Ah, c'est un ingénieur. Faut que je l'envoie dans un centre de soins qui fonctionne.
Ok, on a 32 personnes supplémentaires. Yes! C'est-à-dire encore plus de nourriture. Yes! T'as mais t'imagines? Et là encore, je ne fais pas bosser les enfants. Mais il faut que je la fasse passer cette loi d'ailleurs. Le travail des enfants. Hein. Où est le travail des enfants? Travail des enfants sans danger. L'espoir diminuera, rien n'affiche. Vous allez bosser, ça me fait 47 personnes qui peuvent bosser. Et il y a besoin là. Il y a besoin. Je vais vous faire bosser à la cantine, je vais vous faire bosser, voilà. Dans des lieux où on a besoin, alors attendez, j'ai pas du charbon qui traîne, non, il y a que du... Non, il y a de la caisse en bois. Il y a ce charbon là, on va mettre max d'enfants, voilà. Ensuite, ça nous fait toujours 32 personnes supplémentaires. Donc, il y a le charbonnage qui est en train de se faire. Très bien. Il nous faut de la nourriture. Donc, une cabane à chasseurs. Hop. Une cabane de chasseurs. La deuxième, pour avoir plus de nourriture. Ici, on va pouvoir remettre des gens. Je voulais faire ça. Donc là, il y en a 15 qui vont être mis là. Et on va remettre des gens ici, en fait. On va remettre des gens ici, tout simplement. Donc là, il y en a 15 qui vont être là. Il y a des ingénieurs que je vais pouvoir rajouter dans les postes médicaux. Ça, c'est la cabane de chasseurs. Ah bah tiens, max. Et le reste, bah... C'est quoi? C'est que des ingénieurs, là? C'est parce que j'ai mis tous les enfants, là-bas. Pardon. Pardon, attendez, j'ai mis tous les enfants ici. Alors que j'avais dit que j'allais remplacer à la cantine. Voilà. Les enfants qui bossent à la cantine. Eh, ça va bosser à la cantine. Ça va. C'est sympa, non? La cabane de chasseurs qui est pleine du coup avec les ouvriers. Ici ça a l'air d'aller, nourriture c'est la merde. Ici j'ai des ingénieurs supplémentaires, bah du coup on va les placer. Hein. Hop hop. La maison de soins qui est... Oula, il y en a beaucoup là qui... Oula, oula. Oula. Vous avez froid, c'est ça? Yes. Oui. Ah oui, d'ailleurs, faut que j'envoie eux là-bas. On sait, il y avait des ressources quelque part, je sais plus où, mais on va retrouver les ressources. Il nous faut des ressources. Merde, il y a des gens qui n'ont pas de maison. Mais quel idiot, ils ont pas de maison. C'est pas là les maisons. Bon, je suis ultra fan de ce jeu, hein, sachez-le, c'est parti pour... Oula, et la température faut qu'elle remonte là, hein, parce que bon, on va avoir des petits problèmes. On va avoir des petits problèmes. Allez, ici, boum, max. Ah merde, ça en fait que 9 des chasseurs. Pourquoi? Le reste, c'est des ingénieurs. C'est des enfants. Il me reste 6 enfants qui foutent rien. Bah alors les enfants, on bosse pas? Merde, ça c'est un ingénieur. Non mais en même temps, eh oh les ingénieurs, vous mettez la main à la patte là aussi, hein. Allez, boum, un ingénieur, deux ingénieurs qui vont bosser ici, très bien. Et il me reste 4 enfants qui foutent rien, c'est ça? Ouais. Mais non, c'est des ingénieurs! Bah, voilà. Voilà! Plein de personnes qui bossent maintenant. C'est beau. C'est beau. La recherche là elle est en train d'avancer. Putain par contre. Oh là, mais j'avais pas vu, mais attendez, j'ai tellement d'amputés. Oh, mais j'avais pas vu ça. J'ai 10 amputés. C'est pour ça qu'il y a autant de monde ici, regardez. Mais je sais toujours pas comment on fait les... J'ai pas regardé ça, zut. Attendez, faut que je regarde comment on fait ça. Comment on fait les prothèses? Amélioration des postes médicaux.
Grâce à de meilleurs outils et méthodes, les personnes employées dans les postes soigneront les malades. Ouais. Les serres chauffées. On peut cultiver quelques végétaux. Ouais, mais ça a l'air d'être la merde, ça aussi. Les dortoirs. Logements pouvant abriter suffisamment 10 personnes du mauvais temps. Ah ouais, ça peut être pas mal, remplacer une tente par un dortoir. Ah putain, l'usine elle est là, je l'avais pas vue. Ah bah attendez, il va peut-être falloir que j'améliore ça après. L'usine elle est là pour les amputer. C'est si loin. C'est-à-dire qu'on te... Attends, il faut arriver niveau 2. Mais c'est horrible. C'est là. Je l'avais pas vu, elle est là l'usine. Ah putain, c'est loin, c'est loin. Ouais bah ils vont attendre encore un petit moment. Je ferai peut-être ça justement pour améliorer le truc avec les malades. Ah ouais. Ah bah tiens, charbonnage c'est fait. Touk, on a dit amélioration des postes. Et il faut que je fasse le dortoir après. T'es en 1888, hein, la technologie c'est pas si simple. Ouais, 1888 après la chute de la civilisation telle qu'on la connaît, très certainement. Ok, mine de charbon. Ah ouais, d'accord, effectivement. Ouais. Bon, du coup, toutes les personnes qu'on a là dans le charbon. Qu'est-ce que c'est ça? Noyau de vapeur, nous devons utiliser notre premier noyau de vapeur. Les noyaux de vapeur sont un composant nécessaire des technologies avancées. Nous ne pouvons pas en produire dans la ville. Espérons que nos éclaireurs pourront en trouver durant leurs explorations. Oh putain! Mais non! Mais non! Ah, ils ont intérêt à en trouver, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Besoin urgent de soins. Je ne peux pas, je n'ai plus personne en ville. Je peux pas. Allez vous faire foutre. Vous avez qu'à pas tomber malade en même temps. Pas mon problème. Un moment, soyez responsable. Zut. Ah. Rajoutons du monde. Il y avait des ouvriers là qui... Hop là. Ça se construit ça? Est-ce que ça serait pas mal ça? Espace de stockage plein? Attends, tu déconnes? Mais c'est pour ça? Pourquoi ils ramènent pas dans... Attends. Ils se foutent de ma gueule. Mais allez le foutre là-bas, j'en sais rien. Il y a bien une réserve. Elle est pas pleine la réserve, que je sache. Elle est pas pleine du tout. La production de charbon est inférieure à la consommation. Bah ouais. Comment je fais pour vider la réserve? C'est où? Interrompre avec sans. Ouais. Ouais? Attendez, j'ai peut-être un petit problème. Ça se trouve, il y a énormément de ressources, mais ils les ont juste pas ramenées, ces cons. Et le problème, c'est que c'est fermé. Oh là là, oh là là, ça pue la merde encore, citoyen. Mais putain, mais voilà pourquoi. T'as assigné des gens à bosser dessus? Ben, je pensais qu'ils allaient le faire tout seul, moi. Espace de stockage plein, quand je fais ça, je sais pas, moi, comment on fait. Enfin, ils servent à quoi, la main d'œuvre? La cantine, elle est fermée.
Et il y a eu un décès. Ok, on prend toutes les ressources. 210 de bois, 100 de nourriture, une... Ouais, c'est pas mal ça. Retournez en ville tout de suite, les gars. Let's go dans la ville. Ramenez la coupe à la maison, la nourriture, tout ça. Ok. Zéro. Et on va tous les mettre ici. Ah. Il y en avait un seul qui bossait là ? Ah putain, les enfants ils peuvent pas bosser là-dedans. Quel enfer. Les enfants ils peuvent juste aller récupérer. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Aïe. Allez, let's go. Eh, ramenez-moi ça. Pourquoi ils ramènent pas? Est-ce qu'il faut que je fasse un truc de stockage? J'en sais rien. Poste de collecte. Dans les tas de charbon, les caisses en bois, les nanana. Dépôt de ressources. Ben oui, mais c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je mette un poste de... Ah putain, est-ce qu'il faut... Il faut peut-être que je mette un poste de collecte. Quelle merde. Quelle merde, on m'avait pas prévenu. Et du coup, ça fait bosser des gens ici. C'est terrible. Le générateur va s'arrêter. Bah non, jamais en fait. Jamais, tu redémarres. Allez, on va faire bosser les enfants aussi. Qu'est-ce qui se passe? Faire le moins de mal. Capitaine, un docteur souhaite parler avec vous des traitements radicaux. J'étais chirurgien de terrain durant la première guerre des Boers. Et j'ai travaillé avec la Royal Society pour réduire le nombre d'amputations dans les hôpitaux de l'armée. Je pense pouvoir concevoir une méthode pour réduire le nombre d'amputations liées aux traitements radicaux. Cet ingénieur ne pourra pas travailler, l'espoir augmentera légèrement. Allez, vas-y, donne-nous de l'espoir, mec. Donne-nous de l'espoir. Nous en avons grand besoin. Ok. Bon, ça va, ça augmente. Du coup, eux, il faut qu'ils repartent tout de suite. Alors, on s'était fait avoir ici, donc on va aller d'abord dans l'observatoire, là-bas, ici, voilà. On va faire ça parce que ça a l'air d'être un petit peu plus près. Ouais. Bon, c'est pas tout, mais c'est la merde. L'atelier. Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça. Elle est longue la recherche. Hein. L'atelier. Alors après, on a des chasseurs. Hein. On a des chasseurs. Et l'appareil. Putain! Mais l'appareil. Et là c'est plein. Il y a trop de bois. on a trop de bois. Ah merde, il faut que je fasse un deuxième poste de collecte. Ah bah non, ça marche pas avec ça. Putain, il y a trop de bois. Bah attendez, on va diminuer le nombre de gens au bois. On va en mettre que deux. Par contre, on va augmenter... Aucune ressource de récupérable. Mais tu te fous de ma gueule! C'est dedans! Je vais péter le câble! Elle est pas à portée. Eh ben on va démanteler le bâtiment, on va le reconstruire à côté, c'est pas un souci. Non mais c'est pas possible, c'est dedans. Les tas de charbon, les caisses en bois, les graviers, Ah oui, en plus c'est même pas des tas de charbon, c'est ça les tas de charbon de merde. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut ici? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je fais quoi pour cette merde? Est-ce que c'est... Eh bah écoute, on va en construire un ici, mais je sais pas si ça va fonctionner. Hein. Charbon. Tu m'envoies le charbon, s'il te plaît.
Bon, vu qu'on a 12 personnes, alors déjà vous, dégagez, hop. Ici, on a 9 personnes. Il nous faut, tac, tac, tac. Tain, il nous faut de l'acier, en fait. Il nous faut de l'acier de ouf. Je viens de voir qu'on a plus d'acier, en fait. Allez, les enfants, allez travailler. Merde, il est tout seul. Le pauvre merde. Attendez, il est peut-être un petit peu tout seul. On va aller faire ça. Boum, boum. Et du coup, faudra qu'on pense à créer... Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas fait la scierie. Alors que là, on en a. Eh, c'est vraiment la merde, hein, ce jeu. C'est trop bien, mais c'est la merde. Hein. Cantine. Eh merde, en décès. On a beaucoup de monde là dans le cimetière. C'est le troisième mort, ça va. Ou quatrième. Ah, ils sont en attente. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des survivants! Merde. Explorer. À la place d'astronomes, nous avons trouvé... On peut abandonner les survivants, c'est génial. Nous avons trouvé certains membres de cette expédition perdue, nous ont indiqué qu'ils sont venus ici pour chercher de l'aide, mais que tout le monde était déjà mort. Les astronomes ont continué leur observation jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Que pouvait-on... Que-t-il y avoir de plus important que leur vie? Nous avons envoyé la réponse dans leurs notes. La perte d'intensité de la lumière du soleil n'est pas explicable seulement à cause de l'éruption des volcans dans l'hémisphère sud. Le soleil s'affaiblit. Ouais, bah on va les escorter, let's go. Pas les laisser se démerder tout seul, hein, les pauvres. Après, on pourra pas sauver tout le monde, hein, c'est comme ça, hein, malheureusement. Pas se mentir, voilà. Ah, c'est comme ça, hein. Est-ce que ça marche, là? Est-ce que, du coup, ça se remplit? Je sais pas, et ça m'emmerde. Par contre, je vois, si, ça a l'air de monter très 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 vite. Mais je sais pas si c'est normal ou pas. Ok, on a plein de monde. Plein de monde pour bosser. Alors, let's go. Un max de gens ici. Après, il faut créer... Ah non, je l'ai pas, la scierie. La scierie, je ne l'ai pas. Par contre, on va pouvoir le rechercher. Non, ça c'est un dortoir. Ah, scierie. Débuter. Et, ah oui, merde, il va falloir construire des maisons. Il va falloir construire des maisons. Ça peut être pas mal pour héberger les gens. Ça peut être pas mal. Et on va peut-être mettre une petite source de chaleur. Parce que sinon vous allez... Ah bah je peux plus. Je ne peux plus. Eh bien vous irez vous faire foutre. Je ne peux pas créer la source de chaleur. Bonne journée à tous. Ah, il n'y a pas de route. Il y a de la route. Qu'est-ce qui se passe encore? Moins d'amputations. Le capitaine, le docteur qui voulait améliorer les traitements radicaux est ici. Il a réussi une avancée. Ah, c'est une méthode peu orthodoxe et certains de mes collègues seraient choqués par les expériences que j'ai dû pratiquer. Mais ça fonctionne! Nous allons pouvoir réduire de moitié le nombre d'amputations des traitements médicaux. Il semble impatient de pouvoir retourner travailler et mettre en place sa nouvelle méthode. Beau travail. J'ai bien fait de lui faire confiance. Ça semblait être un brave type. Eh bien, toujours pas. Hein. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment je fais pour gérer cette... Ça casse les couilles. Il y a 34 malades, putain. 34 malades. Le juge s'est reconverti, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. La rue n'est pas connectée au générateur? Quoi? Comment ça? C'est ça que vous voulez? Je sais pas. Ouais, je pense que c'était ça. Par contre, j'ai des gens qui ne foutent rien. Hein.
Allez, plus de chasseurs. Toujours plus de chasseurs. Merde, tout le reste c'est des... Eh ouais. Eh ouais, c'est des ingénieurs. Mais non, mais les ingénieurs, à un moment... À un moment, les ingénieurs, voilà quoi. Je veux bien, mais j'en ai trop. J'en ai trop, donc vous ferez pas du travail d'ingénieur, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Et puis, vous allez gérer le bois. Vous allez gérer le bois, en fait. Il y en a 15 confins. Et mangez. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Voilà, c'est bien. On aura plein de fer. Quoique, j'aurais pu en mettre au moins deux. Peut-être que les ingénieurs, peut-être que les ingénieurs, ils savent comment apporter les... Peut-être qu'ils sont pas cons, les ingénieurs. Non, parce que c'est grave, là. C'est très grave. Est-ce qu'ici, on a des trucs, du coup? Ressources stockées, plus 900. Mais je sais pas du tout. J'ai l'impression que ça marche pas, hein. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, cette merde. S'il y a quelqu'un qui peut me trouver comment on fait pour qu'il vide les stocks, ça m'intéresse grandement. Parce que j'ai ce truc là qui apparaît tous les jours. Espace de stockage plein. Alors je vais finir, moi je vais finir par faire un truc, c'est simple. On va finir par détruire cette merde. Voilà. Et puis on va construire à la place une mine, voilà. Voilà, tout simplement. Non, y a plus besoin de chercher. Y a plus besoin de chercher. Y a plus besoin de chercher. On a trouvé la solution. Une mine de charbon à la place. Voilà. Et j'avais le poste de collecte, mais il était trop loin, donc j'en sais rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Regardez, à la place, on aura une mine de charbon. Il fait si froid, il vaut mieux éviter de sortir. La température chute. Eh, super. Super, la chute. Allez, boum. Le max de gens ici. Deux mines de charbon, plus des gens qui charbonnent ici. Boum, boum. Et merde. Poste médical inactif. En opération. Il y a 42 personnes qui sont malades. On peut envoyer des gens récolter même sans poste de collecte. Après, je joue aux devinettes avec les traductions du nom des bâtiments. Non, non, mais oui, mais bien sûr. Bah après, là, je pense que le problème, il est réglé, de toute façon. Donc, dans tous les cas, c'est gagné, quoi. Ah, je suis obligé de faire ça. Hein. Bon, après, là, ça va. Là, ça va. Comment dire ? Le charbon a l'air d'augmenter pas mal vu que j'ai deux mines. Ouais, bon, les OC, il est mort. Il est mort. Ne l'écoutez surtout pas. C'était un charlatan. La nouvelle a choqué. L'espoir diminue. Non. L'espoir a diminué. C'est terrible. Ah, c'est un bon jeu d'hiver, ça. J'aime bien. C'est vraiment le jeu qu'il faut faire là maintenant. J'espère que vous avez pas trop froid, hein, dans le chat. Si vous avez froid, prenez un plaid, un petit thé, un café, à manger. Putain, mon espoir! Mon espoir, le dernier espoir! Bon, cette fois, vous savez quoi? On fait ordre et discipline, on leur pète les genoux. Milice de quartier, let's go! Let's go la milice! Alors, aide de cantine, capitaine, un groupe d'amputés souhaite vous parler, ils veulent aider à la cantine. Et nous ne voulons plus rester inactifs tous les jours, heureux d'être gardés en vie. Nous ne pouvons plus travailler comme avant, mais si nous construisons de simples prothèses en bois, nous pourrions aider à la cantine. Leur donner ce qu'ils ont besoin. L'espoir remontera. Ah non, un décès. Ah bah non. Jean-Phi ! Lucy Branster, ingénieure, est morte. Ah bah non. T'avais pas le droit, Lucy. Pas comme ça. Pas comme ça, Lucy. Ah putain, j'avoue, il fait super froid là-bas. Y'a personne qui bosse. Ah bah si, y'a des gens qui bossent là-bas. Je sais pas, mettez le chauffage. Mettez le chauffage, merde. Oula, 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 oula. Ah ouais, mais putain, mais eux, ils foutent rien depuis tout à l'heure.
Bon, allez dans la grotte lugubre. Parce qu'on l'a... Depuis tout à l'heure, il y est, et on a toujours pas exploré ça. C'est quoi, ça? C'est un atelier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les sceptiques veulent partir. Dukan, nous n'allons pas mourir. Ah oui, c'est comme tout à l'heure, c'est les londoniens, là. Ouais, c'est les londoniens. Construisez deux tours de garde. Ah putain, des tours de garde, incroyable. Ordre, des tours de garde. Je peux pas le faire là, dommage. On va en faire... Ah ouais, d'accord. Faire une ici. Et il en faudrait une là-bas pour... Je vais faire une ici. Comment ça, pas adjacent à la rue? Y a pas un chemin là? Bon, bah je vais le faire ici alors. Hop là, deux tours de garde. Il nous reste des gens de toute façon. Yes! La scierie! La scierie! Yeah! On a dit quoi? Il fallait qu'on fasse des dortoirs. Les dortoirs pour les gens. Ou alors la portée du générateur, mais ça va faire... Après avoir creusé un peu plus, tu peux récolter directement dans les machins hydrauliques, mais vu ce que ça produit très vite, tu as intérêt à utiliser des centres de collecte. Si tu lis la description, ça dit que ça extrait de quoi occuper deux centres de collecte par jour. Mais j'ai mis des centres de collecte, mais ils voulaient pas aller jusque là-bas, donc c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, maintenant c'est la mine. La mine, ça fonctionne très bien. Voilà, plus de problème. J'hésite. On va peut-être faire... il faut qu'on fasse une aciérie. Hein. Il faut que je la crée. Et les dortoirs, ça fait quoi? Ouais, ça, ils vont mieux dormir, en fait, j'espère. Ils auront moins froid, ils auront peut-être... Ou alors, je fais ça. Mais ah oui, non, je peux pas. Ça utilise un noyau de vapeur, j'en ai qu'un seul. On va faire les dortoirs. On va remplacer les dortoirs qu'on a par autre chose. Parce que là, ça va. Là, c'est en train d'augmenter. On a du bois. On a de l'acier. Et on a des gardes. L'espoir renaît. Putain, par contre, j'ai 26 personnes maintenant. Alors attendez, ça change beaucoup de choses. Vous allez me construire une aciérie tout de suite. Il est où? Truc de métal. Construction. Ressources. Aciérie. Boum. Boum. Ah, j'en fais deux d'un coup. J'en fais deux d'un coup. Et ah oui. Le chemin. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Effectivement. Rue en construction, voilà. Yeah. Il va falloir que je me refasse une cabane de chasseur. J'aurai jamais assez de nourriture pour tout le monde. Après, là, j'ai encore pas mal de monde. Putain, j'ai 17 amputés. Attendez, il faut que je mette les amputés. Et là, des chasseurs. La cantine, elle est où? Je peux pas mettre les amputés. oui. Non, faut que je refasse des chasseurs. Faut que je refasse un truc de chasseur. En tout cas, c'est vraiment passionnant comme genre. J'adore. Ouais, là, de toute manière, j'ai déjà une... Comme eux, ils ont pas besoin de chaleur parce qu'ils sont jamais là, en fait. Bah, ça devrait aller, quoi. Qu'est-ce qu'ils me veulent, eux? Chauffons quelques logements. Alors, le problème, c'est que... Quoique, attendez. Merde. Bon, on va chauffer quelques logements. Parce que là, il fait vraiment froid. Voilà, ça a consommé un max. Ah ouais, mais non, ça marche pas. Ah ouais, il faut que je fasse le dortoir. Bah ça tombe bien, c'est fait. C'est en cours. Alors attendez. Ah, je suis obligé, il fait trop froid. Il fait beaucoup trop froid. Ça a consommé un max.
y en a pour plusieurs tellement d'heures de fun et d'engelure. Ah mais carrément. Mais c'est trop cool, c'est trop cool. Ok. Boum. Et boum. Les ingénieurs qui foutent rien. Ah merde. Ah merde, le reste c'est des enfants. Ah non, j'ai 14 enfants qui servent à rien. On peut pas les supprimer? J'ai 14 enfants qui servent à rien. C'est... Oh non. Bon allez vous occuper des caisses en bois. Hein. Ouais parce que là... Ah bah yes. Eh ça commence à se développer un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe ici encore? Quoi? Mais non, arrêtez de les rejoindre. Je vais encore me faire virer. Putain, ça saoule. Oh là là, ça saoule. C'est terrible, je... Ok, ça c'est fini, très bien, les dortoirs, il faut les remplacer absolument. Je vais faire ça, il nous faut à manger. J'espère que les enfants peuvent bosser là-dedans, parce que là j'ai 4 enfants qui servent vraiment à rien. Cabane de chasseur. J'ai une personne. Là c'est des enfants. Bah ouais. Je sais pas si les ingénieurs ils bossent mieux que les ouvriers de base. Alors, je suis désolé, mais il va falloir qu'on remplace les tentes par des dortoirs. Donc on va casser ça et ça. S'il vous plaît, détruisez-moi ça. Let's go. Il y a 17 personnes qui se retrouvent à la rue. C'est gratuit, c'est comme ça. Intervention à pic, capitaine, un enfant a grimpé sur le générateur, a glissé et est tombé. Heureusement, un membre de la milice du quartier qui était en patrouille à proximité a pu l'attraper à temps. Il a ensuite escorté l'enfant chez sa mère et a eu une bonne discussion avec eux. Il aurait pu se casser une jambe ou pire si notre milice n'avait pas été là, a commenté un voisin. Nous avons de la chance de les avoir. Je suis content que ça soit bien terminé. Ok. D'accord. Tout de suite, un dortoir. Merde! Quoi? Pourquoi? Ah oui. Je suis en train de faire une transition écologique. Oula. Des émeutes! Les gens meurent dans la rue. C'est faux! Je m'occuperai de ça plus tard. Vous inquiétez pas. Les gens ne meurent pas vraiment. Par contre, construisez-moi ça, là. Construisez-moi ça, on va pas laisser les 17 personnes dans la rue comme ça. Et merde. Ok, vite. C'est compliqué. Tac, et là, on peut toujours pas mettre de chauffage, mais... Ah bah en fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Il me reste 18 heures pour créer... yes. J'ai plus de nourriture. Ok, bon, déjà, ça en fait deux. Il est quelle heure? Il est 14h du matin. Ok, alors du coup, on va continuer. Donc ça, tac. Tac. Boum. Vous me construisez tout de suite deux dortoirs, s'il vous plaît. Boum, boum. Si les gens sont dans des dortoirs, normalement, ils auront moins froid, donc ils tomberont moins malades. Donc, à terme,
Ok. Allez, on construit les dortoirs. Ah, c'est une transition! Je sais pas si tu as lu, donc je répète, essaie de construire sans détruire. Ah, on peut... Ah! Pardon, j'avais pas vu. On peut directement faire par-dessus. Oh, bah c'est encore mieux! Ah d'accord, je... Ah oui, ça upgrade! Bien joué! Bon, c'est pas grave, les gens... Les gens, ils vivaient dans la rue pendant quelques temps, c'est bon. Ah, ils apprennent à la dure, c'est comme ça, hein. Eh, à qui c'est pas arrivé, hein. Horrible. Horrible personnage. Bon, on va augmenter ça. Je peux pas, ça coûte trop cher. Qu'est-ce que vous avez? Enfant blessé. Ah, putain, mais non, mais si ça commence comme ça, on l'a déjà dit. Je peux pas faire autrement. Ok, le mécontentement va baisser, hein, je vous préviens. Et attendez, ça y est, j'ai des gens qui sont plus malades, attendez. Boum, boum. Voilà, de l'acier, s'il vous plaît. Ah là, il y a des gens qui sont plus malades. Quoique, il y a 60 malades quand même. Il y a 60 putains de malades. Sauf que là, pour le moment, bah écoutez, ça va. Hein. Oh putain. Ah mais c'est dans la maison de soins qu'ils sont tous malades. Ah yes. J'avais oublié que j'avais allumé tout ça, attendez. C'est quoi ça? Ah, c'est la tour de garde. La cabane de chasseur, elle est vachement... Attends, non mais c'est pas possible. Bon, après, j'ai l'impression qu'on a assez... Je ne vous laisserai pas mourir dans le froid. Vous aurez des jolis dortoirs. J'ai pas fait de nouvelles... merde. Je voulais augmenter ça. La portée du générateur. Nous n'avons plus de acier. Acier les hé. Ok, là ils sont 10. Oui, et puis bah, il reste un enfant. Bah va aider ici en fait. Il y avait plus le truc dans l'acier. Ah après dans les mines de charbon. Attendez, j'ai pas mis beaucoup de monde dans celle-ci. J'en ai pas mis beaucoup ici. Alors attendez. Alors ouais, lui il est tout seul. Bon écoute, on va te mettre là. On va te mettre là. J'ai pas assez de gens pour tout gérer. Au secours. J'ai tout pété mes murs le jour où j'ai voulu refaire ma tapisserie. Ouais, c'était pas bien indiqué, mais bon, c'est pas grave, comme j'ai dit, ils sont débrouillés, quoi. Y a que deux chasseurs ici. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose à un moment, peut-être genre gérer les malades. Ça peut être une bonne idée de gérer les malades. Oh là là, avec les tours de garde, ça fait vraiment flipaille, hein. Putain, mais ça augmente de ouf! Comment allons-nous survivre? Que faut-il faire? Je vais peut-être augmenter ces tentes-là aussi. Je sais pas. Moi, vous savez, je propose. Ah, je peux pas. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Mère poule. Bon, allez, on la laisse s'absenter. Let's go. L'espoir remonte. Et par contre, faut vraiment que je gère mes malades. Faut vraiment que je gère les malades. Trois personnes. Il me faut des chasseurs. Il me faut des chasseurs. Bon, normalement, avec l'augmentation de ça, ça devrait aller. Si ça, il les met plus loin, en vrai... Ouais, je suis pas sûr que ça aide. Hein. Je suis pas sûr que ça aide. Oh là là, je vais pas allumer tout ça, quand même.
C'est un risque faible ici. Ah non, putain, c'est froid. Risque modéré, ça se trouve, en fait, il tombe malade au boulot. Ah putain. Eh, mais à un moment, on peut pas. Voilà. Faut le savoir. Mes arguments, ils puent la merde. Mes arguments puent la merde. Par contre, ça, j'avoue que. On peut avoir 900 de. Ah, attendez, parce que mon truc de ressources, il est où? C'est ça. Je peux avoir 1800 de ça par jour. Bon, en termes de nourriture, on est foutu, mais. Let's go! Ça c'est fait! Portée du générateur. Voilà! Ça va chauffer un petit peu plus, j'espère. Si ça, on remonte aussi. Je sais pas si ça va aider. Voilà, toi par contre, tu peux t'éteindre, toi, c'est bon. Ça me va. Ça c'est quoi? C'est une cantine, il fait frais à la cantine. Hein. Ça c'est quoi? Tour de garde. Il fait frais hein, dans la tour de garde. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les Londoniens utilisent le mécontentement. Un groupe agité. Les habitants écoutent les paroles apocalyptiques d'un des Londoniens. Il essaie de les convaincre de quitter la ville pour rejoindre Londres. Les mécontents semblent convaincus, mais d'autres restent impassibles. Eh ben, Mamélie, ça sert à quoi? Ah, putain. Bon, bah, je vais le laisser parler. Hein. J'ai pas le choix. Super, super, l'enfoiré! Ah, le petit bâtard! Putain! Est-ce que t'as un milicien qui taffe? Bah, normalement, ouais, mais en fait, je crois que là où c'est arrivé, il n'y avait pas de milice. Parce que ma milice, elle est où? Ah, ouais, c'était pas dans le coin. Il y en a ici et il y en a, je sais plus où, là. Et c'était là. Putain, évidemment, il n'y en avait pas dans le coin, là, ça casse les noix, ça me saoule. Allez, puis on a plus de bouffe, let's go. Eh, c'est perdu encore, c'est perdu, hein, c'est sûr et certain. Ah non, merde, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. C'était les serres, oh non, j'ai zappé les serres. Elle est aux fraises et pourtant il n'y a même pas de montagne, j'avoue, il pue, hein, il pue un peu la... Eh, mais attendez, vous faites quoi là? Depuis tout à l'heure? Quoi? Nous pouvons entendre des cris terribles en provenance d'une grotte au fond. Lorsque nous avons atteint la grotte, plusieurs ours polaires bloquaient l'entrée. Il y a des gens qui sont à l'intérieur qui vont probablement se faire massacrer par ces bêtes. Laissez, les ours vont... Nanana. Les personnes dans la grotte survivront, les éclaireurs les escorteront vers notre ville... Bah je vais risquer, hein. il nous faut du monde. Hein. J'ai fini le jeu en oubliant de faire les serres. Bonsoir. Ah ouais? Nous devions aider les survivants. Lorsque nos éclaireurs ont attaqué les bêtes, les survivants de la grotte ont rejoint les efforts pour chasser les ours. Malheureusement, nos éclaireurs sont morts. J'ai perdu. Ils vont revenir les gens? Ils arrivent? Putain. Oh la merde. Il y en a combien? Putain, 4 enfants. Ça saoule. Ah, je bordel de merde. Allez, des chasseurs supplémentaires. Et toujours plus de chasseurs supplémentaires. Putain, mais il y a 17 affamés, mais c'est pas possible! C'est quoi cette merde? T'as fait moins ici. Voilà, envoyez plus de chasseurs. Eh merde. Le problème avec les Londoniens. Capitaine, quelqu'un a vandalisé les murs avec des inscriptions apocalyptiques concernant notre ville. C'est très perturbant. Les habitants ont déjà peur que nous connaissions le même sort que Nidivert et les esprits effrayés sont difficilement persuadés du pire. Bon, eh bien... On va envoyer un veilleur pour retirer ça, évidemment. Putain, c'est... Je m'accroche à trois bouts de... Je sais pas. C'est terrible, hein, de tout ce qu'on est en train de faire, là. Peu de gens. Et ouais, je pense qu'il aurait fallu que je fasse... C'est quoi, ça? C'est un poste médical.
Oh putain, c'est la merde. C'est la merde. C'est quoi ça? C'est une réserve, je peux pas la virer. Il me reste qui là? C'est des enfants? Putain, c'est des enfants. Eh les enfants, vous voulez pas jouer? Aller chercher des trucs là? Ouais, allez, allez, chercher ça là. Je suis horrible! Y'a personne ici. Je sais qu'il y a personne. C'est inactif. Ouais, ouais, je sais, je sais. Poum, sang, voilà. Du coup, c'est bon. Ça, voilà. Ce bâtiment a été fermé. Tout à fait, il a été fermé. Putain, ils sont à 38. Eh, franchement, à un moment, le mécontentement, je vais encore me faire virer. Hein. C'est terrible. Je vais encore me faire virer. Un sans emploi. Personne ne sera sans emploi. Ouah, la nourriture! Les gens, vous allez pouvoir manger! D'ailleurs, la cantine. La cantine! Proposons de la vraie nourriture. Ce soir, c'est soirée fête. Utilisons toute la bouffe que nous avons. Eh merde, qu'est-ce que c'est encore? Ration supplémentaire. C'est une bonne idée! Let's go! Let's go pour les enfants! Double ration! Double ration de frites! Évidemment! Vous avez promis de la chaleur, l'espoir augmente. Let's go! Et comment ça, il reste que 19h là? Comment ça? Comment ça? Attendez, c'est parce qu'on consomme trop? Voilà, il n'y a pas besoin ici. Comment ça, il y a besoin ici? Merde, il y a besoin ici. Ouais, toi, éteins. Voyons, tu consommes trop, voyons. Voyons. Ok, Cricri adopte des mesures sarkozistes. Tout à fait. Écoutez, on s'en sort comme on peut. Comment ça, une absence? Une absence à cause de maladie? Mais qui est malade dans cette ville, voyons? Personne. Allez, let's go. La puissance. Allez, on avait déjà pas assez. On va augmenter encore plus. Let's go. La chaleur, évidemment. Quoi? Eh oh là! Des gens meurent dans la rue! Plus qu'à proposer du flambé aux enfants après la double ration de frites, j'avoue. On va tous se les faire d'ici qu'on finisse la... Ah bah bien sûr. Je vais ouvrir une infirmerie pour que les gens soient contents. Ouais, une infirmerie, c'est quoi? C'est l'augmentation de ça? Enfin, c'est ce qu'ils appellent un... Attendez, parce que j'ai dit ça, mais... Est-ce que c'est l'augmentation de ça? Ah putain, il faut que je fasse ça, du coup. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Annuler ça. Laissez tomber. On reprendra à zéro, c'est pas grave. Il nous faut une infirmerie tout de suite. Par contre, ouais, j'en ai pas un de noyau de vapeur. Hein. Malheureusement, je sais pas comment je vais faire. Putain, il n'y a pas assez de gens qui bossent ici. Faut qu'on envoie plus de monde au charbon. Aïe. Ah, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Il y a des caisses en bois ici. Les enfants! Allez chercher les caisses en bois. Le travail des enfants n'est pas dangereux, voyons. Le travail des enfants, c'est normal. Comment ça y a... Ah oui, merde, putain, il y a des gens qui arrivent et c'est la merde. J'allais dire, oui, pourquoi d'un coup il y a 22 bonhommes? Putain de merde. Ouais, bah écoutez, on va être obligé de... Aïe. Mais non, mais arrêtez les miliciens!
Eh, ça n'arrête pas. Un problème, veilleur passé à tabac. Quoi ? Il faut que je sécurise ici. Hein. Ici, c'est plus possible. C'est la merde. Pourtant, il y a une tour de garde ici. Hein. C'est compliqué ce jeu. C'est compliqué ce jeu. Ah ouais. Vous en avez marre de cette bande de racailles ? Eh ben, on va s'en occuper. J'ai la ref. J'ai la ref. Des survivants ont atteint... Ah bah tiens, très bien, vous allez vous mettre tout de suite à travailler. Boum, boum, boum. Allez, boum, boum. Au max. On envoie tout le monde au travail. Let's go. Let's gong le travail. Boum, boum, boum. Ah merde, il nous faut... Il nous reste quoi? Il nous reste... C'est des enfants? Deux ingénieurs? Alors attendez. Non, là, il n'y a que des ingénieurs ici. Je récupère des gens qu'on va mettre ici, évidemment. Bon, ici, je peux mettre... Oui, je voulais... Merde, j'ai... Oui, c'est vrai, je l'ai pas créé. Attendez, je l'ai pas créé. Alors, attendez, on va mettre ça ici. Les enfants, bah écoutez, les enfants... Allez jouer dans la neige, hein, les enfants. Ah, c'est vrai que j'ai plus du tout de... Bah ouais, ouais, j'ai perdu tout le monde. Faudra que je refasse une balise. Mange ses morts, quoi, la balise. Ah, ça se crée, hein. Ouais, la tour de garde, je peux pas la construire, la tour de garde. J'ai les flashbacks du stream VFA Castex. Ah putain, ça crève la dalle. Ça crève la dalle, mais bouffé. Il faut que je construise aussi une infirmerie. Il me reste un jour et 4 heures pour construire une infirmerie. Merde. Ça sera jamais fait, hein. Allez, un enfant supplémentaire ici, très bien. Et j'ai plus personne ici pour être garde. C'est pas bien. Les enfants ne peuvent pas être gardes. C'est triste. C'est triste quand même. Bon bah... On va récupérer des ingénieurs ici, hein. Tant pis. Ingénieurs, vous allez passer à tabac les citoyens, hein. Normal. Normal après tout. Normal. Ok, donc on a l'infirmerie qu'on peut créer, du coup on repart sur le chauffage, la puissance du générateur qui va plus que doubler. Ou alors, la faim. Il me fallait... C'était quoi? C'était les serres chauffées, c'était où? Ah mais je l'ai fait, les serres! Les serres chauffées! Tu vas voir que d'ici la fin de la partie, les enfants seront devenus les experts mondiaux du bonhomme de neige. Bon, peut-être parce que le reste du monde sera mort de froid, mais quand même. Bon, je m'en fais pas trop. Ils me sont très très utiles. Hein. Bon, après, faudrait pas qu'on les nourrisse quand même trop non plus. Isolation des cantines. Bah, j'avoue. J'avoue que la cantine doit faire froid là-bas. Pourquoi ils ont pas pensé à ça directement? Par contre, nourrir les gens, ça peut être pas mal. Ah, est-ce qu'il faudrait pas que je reconstruise une cantine? Parce que je me suis en train de me dire, il y a une cantine, mais pour tout le monde. Je sais pas. Par contre, on va resservir de la soupe, hein. Excusez-moi, mais on resserre de la soupe. Hein. Fini les conneries. Mais putain! Mais j'en ai marre, ils font toujours des trucs où je suis pas là! Je suis obligé de le laisser parler. Je vais me faire éjecter de la ville. Il était là, c'est-à-dire que... Ils savent exactement où le faire. Et il faut... Putain, mais qui est au secours? Quelle ville de merde! Eh, JPEP de cette ville. Hein. Ils vont se débrouiller, les connards. Putain, noyau. Mais oui, évidemment. Et je peux même pas améliorer ça. Parce que ça... Est-ce que ça, c'est, du coup, c'est...
l'infirmerie, ils vont me cracher à la gueule, puisque regardez, c'est bientôt fini, hein, 21h pour le faire. Je n'ai pas de... Je peux dire ça ? Est-ce qu'on a des gens ? On a personne, je peux pas créer, j'ai que des enfants ici. J'ai que des enfants. J'adore les gros sélénoïdes accrochés au bâtiment de recherche, clairement on a besoin de ça pour développer une infirmerie. Il y a trop de trucs. Je pense que c'est perdu, les londoniens me pètent les noix quoi. La deuxième crêpe, elle est nulle aussi. Elle est aussi nulle que la première, on a juste survécu un peu plus longtemps, mais c'est la merde. Du poste de garde, ils vont en avoir du poste de garde, mais bon, c'est perdu. Il faudrait que j'en foute un là directement. C'est quoi ça? C'est un poste médical. On n'a pas besoin du poste médical. On va le détruire. On va mettre quelqu'un à la place. Cassez-vous avec votre poste médical. C'est terminé. Il n'y a pas besoin. Crevez. Nous, on est là pour l'ordre. L'ordre en plein milieu. Voilà. Et vous voulez un poste médical? Il n'y a pas de souci. On vous en refait un. Ici. La santé et puis quoi encore? D'ailleurs les docteurs sont devenus gardes, hein. Je tiens à vous le préciser que c'est une évolution normale, hein, dans cette société. D'ailleurs ça me l'a pas compté celui-là. Et bah d'accord, ça me l'a pas compté. Combien de monde ici? Il fait super froid. Ce qui me concerne, je rate plus qu'une crêpe. Bah moi aussi, vu que là c'est la merde. C'est clairement la merde. Nécessite viande crue. Putain, mais mes chasseurs, ils foutent quoi? Franchement, ça me saoule. J'ai quand même... J'en ai presque 45 des chasseurs. Ils ramènent que dalle. Il y a du monde dans le cimetière là. Ah, il commence à y avoir un petit peu de monde quoi. Ouais, ça va. Putain. Mécréant passé à tabac. Capitaine, nos gardes ont capturé l'homme qui écrivait des slogans sur nos murs. Ils lui ont fait comprendre à l'aide de leurs poings qu'il était préférable de ne pas recommencer. Et bah c'est très bien. Je vous félicite. Et pourquoi ça n'a pas marché? J'en ai fait des postes de garde là pourtant. J'en ai créé deux pourtant, ils les ont pas comptés. C'est pas des postes de garde? C'est des tours de garde, putain. Putain, c'est des tours de garde, j'ai pas les postes. Faut la recherche. La recherche. C'est où les postes? Sont les postes. Oh tiens, une usine. Ça va être bien ça, l'usine. Ça serait peut-être pas mal ça. Faire une petite usine là pour nos estropiés. Je crois qu'il faut une loi pour les postes de garde. Ah, c'est vrai, j'oublie les lois. J'ai complètement oublié les lois. Merde, attendez. Poste de garde, évidemment, je signe. Merci! Putain, j'avais oublié ça! Ok, let's go! Ah ouais, d'accord, ah ouais, c'est encore plus grand, tiens, boum! Boum! Boum, l'amélioration! Eh, le mécontentement! Allez! Les gardes, let's go! Oula! Ah, il fait super froid là. Il fait moins 41. Oh merde. Ah oh, putain, il fait si froid. Si on allume ça, ça vous réchauffe? Non, pas du tout. C'est quoi ça? C'est le poste. Oh. Mais je suis dans la merde. Ici, tout le monde meurt. Attendez, mais tout le monde est malade dans ma ville de merde. Ah, je vais passer en simple, hein. Vous savez que la prochaine, je vais la passer en simple, histoire de quand même qu'on vive quelque chose de cool, parce que
en moyen, mais c'est trop trop chaud. Enfin, non, justement, c'est très froid. C'est très très froid. Tout le monde est en train de mourir de froid. Regardez, glacial dans la réserve. Putain, tout le monde a des engelures de mort. Il faut me construire une route les gens là parce que ça a pas. Ça a pas du tout. C'est terrible. Ça me coûtait cher cette histoire encore. Toi, allume-toi, boum. Oi oi oi. Oi oi oi. Ils vont tous mourir. Et voilà, deux décès, let's go. Oh là là. Moins 60. Moins 60. Quelle merde. Mais regarde-moi ça, mais tout le monde là. Les tentes, ils ont froid, ils vont mourir. Ah, J-Pep. J-Pep. Eh ouais, un décès, bah ouais, forcément. Moins 60. Moins 60. Let's go, le 60. Je fais ce que je peux. Hein. Comment ça, c'est pas relié? Comment ça, c'est pas relié? Complètement relié. Ouais. Et voilà, tout le monde est en train de mourir. Tout le monde est en train de mourir, bah yes. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Amputation, nous devons agir, évidemment. Oh, mais là aussi, mais c'est pas possible, mais même au travail. Vite, allumez tout! Mais même au travail, il fait... Même en allumé, il fait froid. Allumez tout! Bah, c'est déjà allumé. C'est déjà allumé. Yes. C'est vrai que j'ai envoyé les enfants bosser par ce temps-là pour aller récupérer des trucs et autres. C'était peut-être pas la bonne idée. Hein. Putain, ça sert à que dalle. Le désespoir. Bon bah... Au moins les cantines sont isolées. Voilà. Il faut voir le bon côté des choses. C'est la merde, mais la cantine est isolée. Ils auront moins froid. Yes. Je suis obligé, je peux pas... Je sais pas comment m'en sortir en fait. Je sais pas comment m'en sortir, il fait trop froid. Et tout le monde est en train de claquer là. Et putain, bah ouais, mais je devais gérer d'autres choses, connard. La population est désespérée, envoyez les gardes leur faire taire, bam! Cassez-vous! Les gens meurent, bah j'en sais rien, je disperse la foule, bam! On tape sur tout le monde. Ah, j'ai pas le choix, hein, j'ai pas le choix. Je suis obligé de taper sur tout le monde, là. C'est la merde, hein, c'est la merde. Il va être quoi? Il va être 18... 10, ouais, 17h et deux parties et je suis mort à chaque fois. On va m'exiler, c'est sûr. Un décès, bah ouais, bah crevez tous. Ah, oh, la déception. Eh, engagez des ingénieurs, là. J'en sais rien, faites quelque chose. Putain, j'ai plus de gardes, tous mes gardes ils sont morts. Incroyable ce jeu. Allez, remplissez le cimetière évidemment. Et en plus, regardez, incroyable! On n'a plus de charbon! C'est gagné! Yeah! Moins 60 et plus de générateurs! Allez, envoyez les gardes pour les attraper, les londoniens. Allez, boum! Attrapez-les! Let's go! Bah, c'est la merde, hein. Et salut Manu, comment ça va?
Ah, c'est la grosse merde, là. C'est, on va pas se mentir. On n'est pas au mieux de notre forme. Aïe, aïe, aïe. Envoyer plus de gardes. Toujours plus de gardes. Attendez. Là, peut-être on envoie un en moins. Ici, un en plus. Voilà. Bah, du coup, il y a des londoniens qui meurent, en fait. Il y a des londoniens qui meurent, donc ça va. Regardez, ils ont froid, donc bah, s'il fait froid, plus de londoniens, plus de révolte. La stratégie était là depuis le début. Évidemment. Ah, putain, il faut que je fasse un deuxième tour de garde. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Toujours plus d'ordre. Ah merde, par contre. Bon, des décès, ça va, c'est des enfants. Je crois. Potentiellement, c'est des enfants, tout va bien. Les travailleurs restent en forme. Une foule agitée. Ah bah alors là, chassez l'orateur. Alors là, mon coco. Ah, ça passe pas, hein. La population, nous devons... Ah merde. Les gardes vous désobéissent. Bon bah, nous devons encore deux jours, laissez-moi deux jours, je règle tout le problème. Poste de garde abus de pouvoir, un capitaine, un regrettable accident est survenu, un prisonnier a insulté un des matons. Celui-ci a décidé de le réprimander avec sa matraque jusqu'à ce qu'il soit inconscient. La population est en colère et demande à ce que vous punissiez. Allez, on va le bannir. On va le bannir pour... mais c'est juste... ça, c'est politique. C'est politique, vous inquiétez pas. Ah, par contre, il faut vraiment que je remonte. Je sais pas comment je vais faire. Hein. C'est la merde. C'est la merde et j'ai de nouveau... Ah! Je... Au secours! Au secours! Il me faut du charbon de ces morts. Ah! Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, hein, ce qui est en train de se passer, évidemment. Oh là là. Bon, c'est pas grave, ça diminue la population. Ça va, j'ai que 11 amputés et 8 gelés, tout va bien. Capitaine, les londoniens continuent à voler, ils ont pris 21 de bois dans les réserves. On va les attraper. Putain, j'ai plus rien. Pris en flagrant délit. Allez! J'ai 3 jours pour construire une prison. J'ai déjà pas de quoi construire une infirmerie. On va le bannir, hein, c'est plus simple. On le bannit. Poste de garde non construit. Quoi? Mais si! Mais si! Putain. Mais il était en train de se construire! Il s'est... Bah, c'est perdu, hein! C'est perdu! C'est juste perdu, en fait! Crevez tous, eh, je m'en fous. Bannissez-moi, j'en ai rien à foutre. Ah putain, ça remonte à combien? Moins 40. Ouais, moins 40, ça semble normal, du coup. Mais il va faire trop chaud, là, dans certains endroits, non? Y'a plus de fuel, on a un générateur mort. Arrêtez tout! Casse les noix. Ah, j'en ai plus en affiche. Ouais, bah mettez le direct niveau 2. Hein. Allez, let's go! Faites tout cramer! C'est bon là? C'est assez chaud? Bah, je crois que c'est assez chaud. Hein. Je crois que c'est assez chaud. On met quand même ici, puisqu'ils veulent, ils veulent quand même travailler dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de souci là. Allez, let's go. C'est bon là? Ouais, bon, peut-être pas non plus. Toi non. Toi, toi non. J'ai pas assez. Hein. En tout cas, l'espoir est vachement remonté avec cette décision d'augmenter la chaleur. Bon, on a pas du tout d'énergie, mais voilà.
Hop là, c'était fini. J'espère que vous avez apprécié la chaleur. Besoin urgent. Écoutez, j'en ai rien à foutre, mais là, j'ai plus le temps. Bannissez-moi. Ah merde, j'ai oublié de faire ma nouvelle recherche. Ça sent le ban pour toi aussi. Ah bah là, j'avoue que on est un peu dans la merde. Je gère plus rien du tout depuis 30 minutes. Non, c'est la merde. Je vous cache pas que... Ouais, c'est une fin de partie, en fait. Ouais, c'est une fin de partie. Allez, les vols. Il y en a marre des vols. En tout cas, j'ai tenu plus longtemps. Comme quoi, taper sur les gens avec la milice, ça permet de garder le contrôle, hein, plus qu'avec la religion. Voilà. Tu as son poste. Un de nos gardes a été tabassé à mort alors qu'il pourchassait les londoniens. Nous avons attrapé l'un des voleurs, mais il n'est pas le meurtrier. Qu'allons-nous faire? Eh bien, le bannir, évidemment! On bannit tout le monde! Oh putain, on était 146 à un moment. On était 146. Oh, j'y crois plus. Ça y est, je peux plus. Tout le monde est mort. C'est terrible. Pourtant, l'espoir continue de monter. Ah non, c'est descendu. Ça consomme beaucoup trop, cette merde. Ah bah, c'est écrit Creeper Espoir, où va-t-on? Bah écoutez, moi on me met des bâtons dans les roues sans cesse. Moi je peux plus. Hein. Ça y est, j'ai tout donné, j'ai donné de ma personne pour cette... cette ville et tout. Ouais. Allez, chasser l'orateur. Plus zéro. Et bah très bien, zéro. Voilà, c'est fini. Votre heure est venue, je n'ai pas réussi. C'était sûr. Allez, ciao les connards. Débrouillez-vous sans moi. Vous allez tous mourir de manière, vous savez pas vous débrouiller. Putain. Bon bah c'est un deuxième échec. J'ai décrit le jeu comme tout à l'heure. Ah oui, ce jeu est beaucoup de glauques tenus ensemble par de la dépression, du désespoir, de l'horreur et de temps en temps un radiateur. Non mais ça va, j'ai fait de mon mieux. Comme ils disent, j'ai fait de mon mieux. Bah écoutez, jeu polonais quoi. Non mais c'est super cool, hein, j'adore. Mais j'ai même pas réussi à faire ça quoi. C'est-à-dire que j'ai même pas réussi à finir ça. J'ai même pas tenu, je sais même pas combien de temps il faut tenir. En tout cas, j'ai pas tenu. Coup dur pour le cri-cri. Coup dur pour la crêpe. Coup très dur pour la crêpe. Aïe aïe aïe. Si seulement on avait su que ça finirait comme ça. On a tout donné pour cette patrie. Mais les gens ne sont absolument pas reconnaissants. Ça dégoûte.